Je crois très fortement en vous, notre direction croit très fortement en vous, parce que votre place est au très haut niveau. Je pense que ça, vous en êtes conscient. Vous qui travaillez au quotidien pour le développement du football dans votre pays, dans les différentes régions, c'est un pays qui est vaste. Vous avez du travail devant vous pour une CAN qui va venir, pour des qualifications de Coupe du Monde qui vont arriver aussi. Et je pense que vous pouvez seulement y arriver avec de l'unité, avec de la solidarité, avec une vision qui sera incarnée par le nouveau président élu, que l'on accompagnera, que l'on aidera, que l'on soutiendra dans les moments plus difficiles, mais surtout, on vous donnera les clés, certaines clés, pour améliorer ce centre technique qui le mérite, pour aider les régions qui le méritent aussi, pour aider le football féminin qui le mérite et pour aider l'ensemble du football et de la famille du football algérien. Donc on est venu aujourd'hui en tant qu'observateur avec la CAF, Sarah Moukoula qui est la directrice des associations membres qui est présente, avec le directeur exécutif aussi de la zone UNAF, pour vous témoigner de notre soutien et pour vous dire qu'on est avec vous. Mais les responsabilités, je sais que la pression est grande dans ce pays, c'est pas évident. C'est pas la même chose d'être président de la Fédération algérienne de football qu'une autre nation qui est plus petite. Vous avez des responsabilités, tous, vous avez fait confiance aujourd'hui à un nouveau président, qu'on va recevoir à Paris, bien évidemment, et qui vous donne les félicitations. Gianni Infantino vous les transmet d'ores et déjà. Tout à l'heure, on va essayer de l'appeler s'il n'y a pas trop de décalage horaire avec les États-Unis où il se trouve, pour l'Assemblée générale de l'ONU. Mais voilà, vous pouvez compter sur la FIFA. Vous pouvez compter sur le support économique de la FIFA et sur l'expertise. Et j'espère que vous allez faire une belle Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout le mal que je vous souhaite, sincèrement. Et après, une Coupe du Monde sans l'Algérie, ça n'a pas la même saveur quand même. Et donc c'est à vous de travailler durement pour que le niveau du championnat s'augmente, pour que le niveau des jeunes s'augmente. J'ai demandé hier à la commission électorale quelles étaient les difficultés rencontrées dans ce pays. Ils m'ont fait part de certaines remarques. J'aimerais bien, une fois, entendre les difficultés des clubs et des régions. On en parlera avec le président pour savoir comment, nous, stratégiquement, on peut vous aider. Et je pense qu'ici, il y a des anciens qui sont présents, des anciens présidents de la fédération qui ont fait du grand travail, qui ont laissé un héritage dans ce pays, un héritage au niveau d'infrastructure, mais aussi un héritage au niveau des résultats. Quand on accueille un nouveau président, c'est bien de ne pas oublier ceux qui ont marqué l'histoire du football algérien et qui ont fait le travail. Donc j'aimerais juste que vous applaudissiez les anciens présidents de fédération qui sont ici présents. Quant au président et à son comité exécutif élu, je l'ai répété, nous sommes là avec vous. Je vous laisse travailler et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit l'Assemblée ou le comité exécutif, la porte de la FIFA est ouverte, nous sommes là pour vous. Donc bonne chance à tous et bonne mission jusqu'à la fin de votre mandat. Merci.